Bonsoir tout le monde, moi c'est Emmanuel Adouyon, moi content d'accueillir nous, je dis un Zoom ça, un webinaire ça que l'Université Kiskeya a organisé sous thématique crise gaz qui gagne dans le pays. Moi content d'accueillir les panélistes que je vais présenter tout à l'heure, mais pour commencer, je vais la parole à M. Rolin Lincifort-Cadet. Docteur Cadet, c'est directeur Centre Recherche sous Gestion et Économie Développement de la Faculté Sciences Économiques avec et Sciences Administratives dans l'Université Kiskeya. Merci, Madame Douyon. Donc, je dis à Centre Recherche dans Gestion et Économie Développement, CREGEL, qui est trouvé dans l'Université Kiskeya, mettez ensemble avec l'Institut Haïtien pour l'énergie pour dire nous tous bienvenue dans. Webinaire ça cap fait sur question crise et produits pétroliers ici en Haïti. Webinaire ça fait dans cadre conférence que CREGEL pour organiser. Généralement CREGEL il y a deux types d'activités que lié organiser pour capable rester en contact avec public là pour capable plus ou moins divulguer des informations. Nous gagne conférencio et puis nous gagne les lundi du CREGEL côté que c'est des papiers de recherche que nous présenter. Activité jodia est dans cadre conférence. Crise sous question produits pétroliers sont crise qui a soulevé en pile question. Nous ca par exemple demander pour qui ça qu'on gagne retard dans livraison produit. Pour qui ça l'état te prend décision on leur pour te ca subventionner produit. Et pour qui ça depuis quelque temps l'État voulait suspendre subvention? Est-ce que même raison qui te fait le point subvention? Est-ce que raison ça toujours valable? Ou bien est-ce que raison ça qu'on n'y a pas valable encore? Ou bien est-ce que décision depuis les autres prennent là? Est-ce que c'est ton décision? Est-ce que c'est ton décision qui était inefficace? Dans la question distribution produit autour, il y a des questions que nous avons posées. Pour qui ça qu'on a difficulté, nous qu'on dit que le produit a sur le terrain, l'y stocké, mais distribution a difficulté. Qui acteur qui gagne en chaîne de valeur là? Qui rôle l'État dans stockage produit pétrolier? Qui rôle secteur privé dans ça? Et en plus l'autre question encore que question crise sous produit pétrolier qu'a soulevé. Je dis à donc nous gagne quatre monde que Madame Douyon va le présenter nous, qui là, c'est des monde qui connaissent le secteur, donc qui va aller parler nous, essayer d'aider nous, répondre aux questions ça et peut-être d'autres questions que nous pas citer là, que nous même nous capables de répondre à eux pour capable aider nous comprendre ça que fait depuis plusieurs années. Toujours des crises pour question produit pétrolier et semaine ça crise là, vient plus grave encore. Donc, je dis assez avec plaisir que, au nom de recteur Jacques Lumar, recteur de l'Université Kiskeya, et au nom de tout membre Centre de recherche en gestion et en économie du développement qui trouvait dans l'Université Kiskeya, au nom de responsable et membre équipe Institut haïtien de l'énergie, notamment Dr. René Jean Jumeau qui est sous panel là avec nous tous. Donc, nous souhaitons à tous les participants là, bienvenue et que nous souhaitons que l'activité ça permette de mieux comprendre ce qui est passé et que le débat, l'interaction qui a gagné capable de porter des lumières. Merci et bonne participation à tous. Merci, merci Dr. Cadet. Je vais présenter nous rapidement les panélistes que nous avons jeudi. Pour commencer, nous avons Monsieur René Jean Jumeau. Monsieur Dr. René Jean Jumeau, c'est directeur exécutif Institut haïtien pour l'énergie, IHE. Il est membre du conseil d'administration Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement. Dr. Jean Jumeau, c'est professeur à l'Université Kiskeya. Il était secrétaire d'État à l'énergie du ministère des Travaux publics, Transports et Communications en 2012. Ensuite, il était ministre délégué à la sécurité énergétique auprès de Premier ministre, époque 2012-2014. Nous sommes contents de le nom de l'autre moment. Nous avons avec nous tous comme panélistes M. Randolph Rameau, qui est président de l'Association des professionnels du pétrole. Il a environ 35 ans d'expérience dans le secteur pétrolier. Il est
Pour le moment, on a parlé là, président du conseil d'administration, compagnie énergétique, le Kimazu Energy SA. C'est une compagnie qui fait importation et distribution de produits pétroliers sous label commercial GO, que nous avons peut-être connu. Toujours un bel panel spécialiste secteur ça que nous avons là. Nous avons avec nous M. David Turnier. M. Turnier, c'est président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers. C'est un entrepreneur qui a environ 30 ans depuis qu'il a fait entrepreneuriat. Il a commencé d'abord dans le secteur alimentaire, boulangerie. Ensuite, depuis l'année 2000, il est dans le secteur énergie. Il est propriétaire et gérant plusieurs stations essence dans la zone métropolitaine. M. Turnier est membre ANADIP depuis l'année 2012, côté il a occupé plusieurs postes. Trésorier, vice-président, et depuis 2017, il joue rôle président de l'association. Ensuite, avec nous, M. Jude Jean-Louis. M. Jean-Louis, c'est directeur général inspection fiscale du ministère économie et finance. Il est un cadre d'institution et il spécialise en analyse économique et développement international. Nous vraiment pour un bel moment d'échange avec spécialistes qui connaissent le secteur très bien. Pour nous faire dans l'ordre, maintenant de tout le monde, si nous ne pouvons pas parler mute, micro nous, pour éviter que bio interfère avec la présentation panéliste. Si nous avons des questions, ça va un plaisir pour moi poser panéliste les questions que nous avons. Pour ça, juste taper les questions que nous avons dans le chat là, et le moment arrivé dans la fin de la présentation, je suis capable de lire les questions pour panéliste qui répond. Nous allons commencer avec M. René Jean Jumeau. Monsieur Jean Jumeau, est-ce que vous êtes capable de nous une description de l'industrie, place de l'économie, différents acteurs, produits, services, cadres réglementaires, pour faciliter une meilleure compréhension de l'écosystème qui est derrière le secteur énergétique? Merci. Très bien. Merci, Madame Douillon. Et je salue tout le monde qui a attendu nous aujourd'hui dans le webinaire, dans la conférence qui pour aider nous comprendre le secteur. Je vais essayer très bref, c'est un pile d'informations et je pense que je suis capable de compléter l'information après ça et dans la question qui peut poser. Et notamment sur la question actualité, parce que et, bon, le temps pour me compiler toute l'information. L'étape plus bon si c'est une réponse question après ça que moi bail information ça. Donc ça moi tu besoin et présenter c'est ensemble secteur ça qui est le secteur produits pétroliers. Moi hésiter le secteur pétrolier parce que ça crée en confusion le monde a parlé de pétrole, il a pensé que le autant des coûts du pétrole et ça veut dire prix pétrole à vendre sur le marché international, c'est prix ça que différents et carburants ils vendent. Ce n'est pas le même bagaille. Je préfère parler de produits pétroliers. Qui produit ça? Il y a trois produits que nous appelons produits stratégiques. En fait, que Haïti, légalement, dans la loi, est défini comme produit stratégique. C'est diesel, c'est gasoline avec kérosène. Mais il y a un autre produit tout. Et parmi lesquels, et nous capables de dire, ça y est, le gaz propane, et mazout, bitume que vous servi avec pour faire asphalte sur route, tout ça, c'est produit pétrolier et tout. Mais il n'y a pas fait partie de produits stratégiques que l'État définit dans la loi comme produits stratégiques. Donc, produits à parler, c'est diesel, gasoline, kérosène, qui c'est produits stratégiques, et c'est eux-mêmes qui sont en crise, ça n'a pas vu aujourd'hui là. Et me parler de légalement défini. Eh bien, qui loi, et moi pas expert légal, malheureusement, nous pas de temps pour que nous garder côté légal là entièrement dans le détail, mais et nous au moins capable de garder loi qui régit secteur et loi de base, c'est loi 7 septembre 1949 sur les lois sur les produits inflammables. 1949, c'est depuis le sac, c'est vraiment bon loi sous produits pétroliers. Et il y a
un petit élément qui parle dans la loi 3 février, en fait, décret loi 3 février 2016, yo, et il y a trois qui concernent l'énergie en général. Il y en a dans la loi portant création de l'autorité nationale de régulation du secteur énergie qui a fait abréviation, il est annoncé. Eh bien, en 2016, il définit que ANACEA, c'est une autorité qui est supposée faire régulation question énergie en général et licité produits pétroliers dans la liste éléments énergétiques que ANACEA a une responsabilité. Donc, ce n'est pas un paquet de détails dans la loi qui concerne les produits pétroliers, mais c'est un petit élément seulement. Donc, ça veut dire vraiment la loi qui gère le secteur, il date de 1949. Donc, il y a le temps pour une nouvelle loi. Et il y a un pile effort fait déjà dans ce sens-là. Peut-être que l'autre panéliste a parlé de ça. Donc, on parle de qui ça produire, qui loi qui régit. Eh bien, qui façon est-ce que vous gérez? Donc, on a parlé de gouvernance secteur dans ce sens-là. D'abord, le secteur public là. Après ça, on va parler de secteur privé. Secteur public qui est en gestion du secteur produits pétroliers, c'est le ministère des Finances, c'est le ministère économie et finances, le ministère commerce, qui est le ministère commerce et industrie. Eh bien, il y a deux, il y a toujours en charge aspect et fixer prix produits pétroliers pour chaque arrivage qui vient. On a parlé de produits pétroliers stratégiques. Ce qui n'est pas stratégique, c'est un traitement commercial seulement. Mais ça stratégique, yo. Ça veut dire diesel, gasoline, kérosène, eh bien, il y a même ministère économie et finance, ministère commerce et industrie, c'est les deux qui toujours fixer ça y a les structures prix. Structure prix veut dire bon, plusieurs éléments qui peuvent faire qui peuvent constituer prix le fait total yo, que il y a 20 produits pétroliers en Haïti. Donc il y a deux ministères ça yo, dans le secteur public là. Gain tout m'te cité c'est annoncé qui sont régulateurs tout bagaille qui gagne pour avec énergie et puis gagne BMPAD qui c'est bureau de monétisation projet aide développement pour Haïti qui impliqué depuis dans époque Petrocaribe BMPAD impliqué dans secteur et moi m'tai me préciser que c'est depuis dans époque Petrocaribe parce que dans cadre Petrocaribe Venezuela c'est gain on produit libay en nature la veut dire c'est pas l'argent c'est un bagage que l'état haïtien il fait le cadeau et il a besoin vendre pour lui faire en l'argent avec et bien bureau monétisation projet aide développement yo programme aide développement yo monétisation veut dire que il prend un produit et puis il vendre pour faire l'argent et l'État vient avec l'argent que le capable utiliser pour projet de développement. Donc, c'est dans ce sens que BMPAD est impliqué. On ne va pas entrer dans plus de détails dans ce sens. Et c'est pour dire que le secteur public a gagné le ministère des Finances, le ministère du Commerce, et annoncé avec BMPAD qui impliqué dans la gestion du secteur. Ça. Mais il y a une partie qui est gérée par le secteur public et secteur privé, pardon, qui c'est différentes associations, notamment associations professionnelles du pétrole. Il y a même ces importateurs, il y a 5 importateurs, je dis à là, qui c'est Dinasa Total, pas bien Total encore, Total c'est Bandari qui a acheté et actif Total yo, en Haïti. Donc, Dinasa, Bandari, Go, Capital, avec DNC. Donc, c'est eux-mêmes qui importateurs. Alors, c'est non
stasyon ke utilize yo, men se nou kapab di, nap tande pale de Go, se Kimazu, ki se kompanyi ki posede Go a, e Capital, se Capital Invest, ki gen, e Pomp Capital. Donk, se 5 importateur sa yo. Gen asosyasyon e distributeur produit petrolier yo, ki se Anadip. Gen asosyasyon propriété station service yo, ki se Anapros. E pi, gen asosyasyon de transporteur yo, ki se MUT, M-U-T-H, e ki se on asosyasyon ki responsab, en fait, ki jere, ou ki reuni, an metel kon sa, tout transporteur produ petrolio. Sa ve di moun ki nan kamyon, ki en propriété kamyon yo, ki chauffeur yo, etc. Kap transporte produ yo soti on kote al nan lot, an Haiti. Ça c'est pour gouvernance là. Nous allons en pile temps, on va avancer très vite. C'est dans stockage. Qui côté stocker produits pétroliers dans pays a c'est VAE bon terminal, le terminal côté stocker, un terminal dans VAE, un terminal dans Tor, un terminal dans Martissan. Et terminal ça yo on dit que c'est eux-mêmes qui réunissent tout stockage produits pétroliers et disons grand volume dans pays a avant que la vende et ça c'est VAE c'est les mêmes qui plus gros li kembe à peu près 68% de tout stockage là Tor dans Carrefour kembe 21% de stockage là et puis stockage Martissant c'est diesel seulement le Kembe et c'est 11% de total là que moi calculé que li gagne. Donc ça c'est et par rapport à stockage. Nous gagnons en termes de volume qui volume et carburant yo, que chaque ça au Kembe dans volume nous capable dire que en tout gain 25 millions gallons on parle en gallons seulement spécialiste mais parler de baril tout qui c'est 42 gallons mais nous même pour être clair n'a parlé gallons seulement donc il y a 25 millions de gallons diesel qui t'a qu'à stocker il pas toujours une quantité ça non mais qui t'a qu'à stocker dans toute situation on ajouter en tout et gain à peu près 4 millions et demi gallons de kérosène qui capable stocker dans pays a et puis gagner 12 millions gallons gasoline qui capable stocker dans pays d'Haïti comme on dit dans trois sites ça et si nous besoin qu'on idée na diviser yo à partir de pourcentage n'était bail là on nous pas prendre trop de temps sur ça. Si gen moun ki gen kesyon sou sa, n ka pose la apre. E pi, en general, sektèr, ma pale de, ne pale de asosyasyon yo, men ki akteur ki yon dan yo, se importateur yo, nou te di, Dinasa, Bandari, Go, Capital avec DNC, transporteur yo, donc on fwa, produit yo importe vin an Haiti, pour gomon ki transporte yo sot nan terminal yo pou ale nan station service yo ou bien pou ale directement nan industri ou men nan institution ki va le servir avèl. Et puis l'arrivé nan le transporteur yo fin transporte le côté menel généralement nan station service gen transporteur ki en fait gen vendeur ki yo même pa gen station service mais ki gen camion et yo choisir le pedler ça c'est non pa yo que choisi qui c'est des transporteurs qui uniquement gen camion et qui pa gen station service donc on a parlé de distributeurs produits pétroliers gen qui distribue dans station service mais gen qui distribue directement by client yo donc qui a livré by client avant de finir m'a parlé de consommation
et puis m'a parlé de fonctionnement marché a pour tout le monde comprendre le gain raté qui ça qu'a fait ça. Donc consommation par mois en moyenne et d'après les chiffres que BMPAT a communiqué nous en moyenne nous consommons en Haïti 23 millions de gallons gaz et diesel, 23 millions de gallons diesel par mois, presque 15 millions de gallons de gasoline par mois et à peu près 4 millions de gallons de kérosène par mois. J'ai besoin d'une idée de ça, ça veut dire par jour. Eh bien, pour diesel, Haïti consommait à peu près 770 000 gallons diesel. Ça, c'est le majouté diesel qui servit dans tout le pays, y compris diesel que EDH servit pour produire l'électricité. Gasoline, c'est 340 000 gallons de gasoline par jour qui consommait en Haïti et à peu près 105 000 gallons diesel par jour. Donc, ça va nous en idée. Et puis, pour me finir, pour ne pas prendre trop de temps, qui t'aime fini pour expliquer tout le monde, l'un a parlé de carburant, ça veut dire mot créole, là, c'est gaz, là, on dit gaz, c'est, ça veut dire n'importe qui carburant, que c'est diesel, que c'est gasoline, que c'est kérosène, eh bien, carburant, yo, qui j'en ai arrivé à Haïti, qui j'en ai revenu à Haïti. Premier bagage, c'est que importateur, yo, chaque décider de qui quantité au besoin, ils mettent ensemble, ils laissent consolider ça au besoin et ils bail l'État information ça. Pour le moment, c'est BMPAD qui fait gestion ça. Donc, ils bail BMPAD information. Mais c'est pas toujours BMPAD qui décompte fait, mais pour le moment, c'est BMPAD qui fait. Autrement, c'est pas on un importateur qui consolide commandant. L'alphine consolider, ils placent commandant. Bah, un intermédiaire, il est ça un broker qui lui-même, c'est lui-même qui gagne information sous marché à côté où qu'a acheté, qui côté qui bon prix, qui côté pas le transporter plus facile, etc., etc. Broker lui-même, il est capable, c'est pas un processus appelle d'offre que il joigne, il est pas capable c'est en autre façon, mais broker lui-même, il prend commande là. Et puis Koulia, l'imam de l'État, ok, moi joigne côté m'bral acheter là, paye. Deuxième partie troisième partie, hein, consolidation. Placer commandant. Et puis Koulia paye. Jodi a là, l'État paye commandant avant que l'importateur paye. Point ça important parce que l'imam va affecter tout problème que nous constaté jeudi. L'État compte bail importateur au crédit sous une ou plusieurs mois. Donc, l'État n'a pas toujours gagné, pas oublié, c'est un dollar qu'on a acheté, l'État n'a pas toujours gagné de visio disponible. Donc, ça compte créer problème. Quatrième point dans marche ça, c'est le que paiement fin fait. Koulia gon un côté que gon transporteur Koulia son tanker un bateau tanker qui pour la prendre livraison pour la prendre et carburant yo dans raffinerie et puis pour transporter vin en Haïti si gen cyclone dans moment ça ka créer retard le bateau navire là li rivé bateau tanker là pardon li rivé en Haïti li décharger carburant ça dans site stockage que nous te dit yo soit Vareux soit Tor soit Martissant. Pour le moment c'est uniquement trois ça yo qui tout dans Port-au-Prince que livraison yo fait le li stocker carburant ça yo fin stocker coulia transporteur qui c'est camion transport yo coulia pral vin prendre livraison et puis aller avec vin prendre volume ça et puis aller livrer en dans station service ou bien comme on était dit nous capable livrer directement dans l'industrie ou bien dans institution qui c'est client.
Donc, c'est finalement le gaz ça y est arrivé dans station service là ou bien caille client que les pral disponible pour que tout public là capable utiliser, acheter et puis utiliser. Donc ça c'est juste pour avoir une idée de qui gère processus là fait et puis à partir de ça et de questions capable poser, nous capable garder plus dans détail qui ça qui compte créer crise et côté nouyer jodi a là. Donc nous ouais avec processus ça chaque partie et qui c'est en étape si on retard dans étape ça c'est une possibilité pour que nous gagnons en retard dans disponibilité et carburant dans station service et donc par exemple ça vient créer rupture de stock. Donc ça c'est m'a campé là et m'a quitté si une question pour plus clarification. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup monsieur Jean Jumeau. Nous allons recevoir question ensemble à la fin. Kounia nous va passer la parole par deuxième panéliste nous monsieur Randolph Rameau qui pourra continuer parler nous de un point que monsieur Jean Jumeau a commencé à aborder dans la présentation là qui c'est qui gens nous fait approvisionnement en produits pétroliers en Haïti et qui comparaison qui capable faite avec gens ça fait dans l'autre pays région et puis tout nous souhaiter que il y a pas aborder pour nous rôle l'état jouer dans processus approvisionnement ça. Merci monsieur Randolph Rameau, ou gain la parole. Bon, bonjour tout le monde, moi toi aimer saluer en fait et tout le monde qui a participé et à atelier de réflexion et sous crise que nous connaissons aujourd'hui dans le secteur pétrolier. Et son crise qui a affecté effectivement de manière dramatique et transversale et tous les secteurs vitaux de la société. Et son initiative que moi vraiment applaudi, qui émane de l'Université Kiskeya, et moi accueille favorablement également implication directe de Dr Lumarck et ses collaborateurs pour réaliser atelier de réflexion ça et c'est avec un grand plaisir que moi j'ai accueilli invitation et dans un premier temps moi j'aurais même peut-être circonscrit intervention maintenant à modèle d'importation qui gagnait et pendant les 30 dernières années, bon, puisque avec l'âge que je suis là, je vais aller beaucoup plus en profondeur. Donc, même temps, et dans un premier temps, et fait en trois volets. Et j'aimerais peut-être aborder comment que vous avez importé les produits pétroliers avant Petro-Caribé. Et deuxième volet après l'importation de produits pétroliers pendant la période Petro-Caribé. Et le dernier volet sur l'époque évidemment et période post-Petro-Caribé jusqu'à date. Et puis un peu après, on pourra peut-être et pas peut-être, pour évidemment partager avec nous des modèles d'importation que vous pratiquez dans la zone. Maintenant, et avant que m'avance davantage, moi j'aimerais dire que tout modèle d'importation que nous consultons dans la zone Caraïbe, yo étroitement lié et à, je dirais, la nature des gouvernements qui sont en contrôle de ces pays. Et selon que gouvernement sont gouvernements de droite, ou bien de gauche, ou bien de centre, et chaque gain un modèle qu'il a adopté en fonction de vision politique qu'il a gagné et besoin pays.
On nous arrive qu'on y a dans un premier temps sur période avant Petro-Caribéa qui remontait à année 80. Yo. Et époque ça en Haïti où tu as trois grandes compagnies pétrolières qui étaient trois multinationales qui étaient les Shell, Texaco et Esso. Compagnie ça yo c'est yo qui gagne monopole importation produits pétroliers et l'État te kembe quand même le rôle de régulateur côté que il était intervenu pour non seulement les contrôler la qualité des produits mais également il était intervenu pour lui assurer que de la disponibilité de produits à tout temps sur le territoire. Donc, époque ça, on parle des années 80, 90, peut-être un petit peu avant aussi, et lorsque vous avez importé produit, pour vous avez fait importation, ces trois compagnies, Shell, Texaco et Esso, vous avez toujours lancé un appel d'offres entre eux. Et puis, gagnant appel d'offres, vous avez une obligation pour que vous ayez produit pour toute industrie et selon besoin chaque compagnie. Donc c'est comme ça de toujours évoluer et ça a toujours marché bien, pas de gain problème. Et l'État a joué rôle régulateur, les compagnies continuent à importer et ça a coulé comme de l'eau sur une bouteille. Voilà. Et maintenant nous venons avancer au début des années 90 avec Venezuela qui maintenant a fait des avancées très spectaculaires dans la zone, qui est à la recherche de l'établissement d'une hégémonie géopolitique. Et l'encadre et établissement de hégémonie, ça, Venezuela a commencé à ouvrir Potli, en pile pays dans la zone là, qui t'a commencé à appauvrir parce que tes produits pétroliers t'es qu'on a monté de manière vertigineuse et il y a une hausse des prix et de en fait sur le marché international et Venezuela t'a saisi l'opportunité ça pour que lui offre tout un ensemble de pays de la zone possibilité pour que lui te font échange avec eux de produits agricoles contre produits pétroliers. Et parallèlement, il était offert des modalités de paiement qui étaient réellement exceptionnelles. On parlait de paiement sur 20 ans, sur 30 ans, 25 ans, en partie, qui étaient payés dans les plus brefs délais, mais plus grand partie a été payé sur un temps beaucoup plus long. Et c'est ainsi que il y a un pile pays qui était intégré et Petro-Caribéa et Haïti est devenu aussi un des grands bénéficiaires de Petro-Caribé. Maintenant, comment que l'importation a été faite? Venezuela a fourni et Haïti à peu près 75% de sa consommation. Il n'y a pas de jambon dans tout volume que nous avons écoulé sur le marché, mais il était assuré que nous avons au moins 75% de consommation que nous avons gagné. Et 25% que nous avons manqué. Et l'État lui-même, qui était entré, qui était créé BMPA à ce moment, à partir d'un décret qui était nommé en fait, régulateur du secteur, puisque il fallait commercialiser les produits. Donc, l'État te permet que compagnie pétrolière, yo, à partir d'un appel d'offres que vous faites, vous bidez pour yo importer 25% qui te manqué. Donc, comprenez bien que d'une part, l'État recevra 75% de consommation et 25%, l'État permet à partir d'un appel d'offres
que compagnie yo importait 25% de TVA. C'est ainsi que le fonctionné et modèle ça a duré à peu près une quinzaine d'années. Donc, et pays a été régulièrement approvisionné et en gasoline, en diesel et en kérosène. Et parfois, quand il y a différents acteurs qui gagnent soit bid sur diesel là, ou bien gon l'autre qui gagne gasoline là, ou bien gon qui gagne et gasoline et diesel, mais il est toujours fait objet de un appel d'offres pour 25% manquant. Maintenant, arrivé à la période post-Petro-Caribé, et ça, c'est un bagage qui commence à chambarder structure pétrolière là, parce que on a commencé à assister à l'effondrement de Petro-Caribé. Petro-Caribé écrasé, il coulait pratiquement. Parallèlement, on vient gagner une dévaluation accélérée de la monnaie nationale. Et le fait que Petro-Caribé boit de l'eau, en fait, si me permettez mon expression, hein, l'État qu'on a qui continue à quimber importation vient obliger à payer au comptant, peut-être parfois avec des termes, des conditions minimales de crédit, peut-être, mais l'État vient comprendre ce qu'on a pour que le payer facture pétrolière dans les plus brefs délais, alors que pendant Petro-Caribé, il n'y a pas d'obligation ça. Et pendant que l'État a une obligation pour payer facture pétrolière, il y a une flambée de prix sur le marché international. L'État tentait d'ajuster le prix. Nous avons passé dans l'initiative que l'on prend le 6 juillet. Je n'ai pas besoin de retourner sur lui, mais tout le monde compte que l'on passé. L'État ressaisit, il essayait temporairement importation. Retenez bien que Mbadi va libérer le marché. Libérer le marché à l'importation, c'est-à-dire que les retirer BMP temporairement, les permettre aux compagnies pétrolières et importer produits. Et ça, son bail qui durait à peu près un an, mais l'État toujours maintenu la subvention qui grandissait de manière effrénée parce que les cours du brut étaient régulièrement à la hausse. Maintenant, dans le cadre de la libération et temporaire et de l'importation des produits pétroliers, l'État a également et on a dit transférer le poids de la subvention aux compagnies pétrolières. Il y a un peu de monde qui ne peut pas comprendre ça. Cela veut dire que l'État a acheté un gallon de gaz, on dit pour 2 $, il était voulu qu'un prix à la pompe pour 1 $. Alors, c'est un exemple que je vais pour capable simplifier. Et image pour les participants. Je reprends. On dit que l'État a acheté son gallon gaz pour 2 $. L'État a choisi vendre produit à 1 $. Maintenant, c'est compagnies pétrolières qui ont 1 $ qui manquait. Donc, l'État lui-même prend obligation, il signe des accords avec la compagnie pétrolière, il dit que bon, pour lui acheter 2 $, mais c'est 1 $ que je vais donc moins de 1 $. Et c'est trois subventions qui ont pu démonter sous l'État et qui viennent pratiquement au fil des années, puisque vous n'avez pas déjà remboursé la compagnie pétrolière, subvention régulièrement.
il y a eu, tu même une accumulation de presque 8-9 mois de subvention. Il vient créer une situation côté que même compagnie pétrolière Gounia n'est pas qu'à honorer facture parce que l'État doit le trop cob, il n'a pas de trésorerie pour même acheter. Donc, ça a commencé à créer un début de crise parce que d'un côté, et le poids de la subvention est sur les épaules des compagnies pétrolières qui font bon temps à supporter pendant que pas de remboursement régulier qui est fait. Et maintenant, début de crise a commencé. Donc, l'État a réalisé que le problème a commencé grave. Il reprend le contrôle du produit pétrolier encore, puisqu'il faut que le chercher des alternatives pour que le pays continue à approvisionner. Il paraît même la marché, et il doit comparer pétrolier autre comme, il va rien contrôler la situation. Bon, il reprend encore et contrôle du pétrolier. Maintenant, l'État est obligé de faire face à paiement facture, même j'en ai fait l'avant, le paiement des factures au comptant. On vient de gagner des ruptures de stock parce que le dollar a commencé à. Il y a des bateaux qui arrivent, qui étaient en rade pendant 15 jours. L'État a essayé de joindre les deux bouts pour que le pays facture. Pendant ce temps, le produit a été épuisé, on a des ruptures de stock qui ne peuvent pas durer 3 jours. Ils ont commencé à durer 5 jours jusqu'à ce qu'il y ait des ruptures de stock prolongées. Qui pratiquement gagne des intérêts. Et en République dominicaine, qui est le voisin le plus proche, et rappelez-nous, comme je l'ai dit, nous, que les fonctions de ressources que le pays a gagné, chaque monde a un modèle d'exportation, mais il y a un pile point commun. La République dominicaine, par exemple, il y a une raffinerie qui produit 22% de consommation pays. Et différentiel là, il y a quitté compagnie importée librement. Volume que vous avez besoin pour compléter là. Mais vous assurez que le prix est contrôlé à la pompe à partir de la méthode que vous calculez pour le marché. Et tout le monde qui a importé obligé de faire référence à prix que l'État établit de manière hebdomadaire. Ou aller plus devant comme Costa Rica, le modèle pays est un petit peu différent parce que vous-même, l'importation de produits pétroliers est faite à travers une institution étatique qui est RECOPE. C'est une institution qui importe des produits bruts, niveau de la raffinerie, et il ajuste les prix de manière mensuelle à partir d'un comité que vous créez qui est composé de la société civile et des autorités étatiques. Qui à la fin de chaque mois, Chita, nous fait des réflexions pour déterminer s'il y a lieu de revoir à la baisse ou à la hausse les prix à la pompe. Et nous fait la toute transparence et son système qui a marché très bien. Pour arriver en Jamaïque, par exemple, la Jamaïque son cas particulier tout parce que il y a des raffineries qui très désuètes et il y a bien principal arrêt, les Petrojam, sont raffinés qui produisent très peu de produits, mais l'IRE était là pour que les produits aient fait la concurrence même avec les importateurs. Mais là encore, importateurs sont libres pour importer volume que vous voulez, mais raffinera dame et le pion, parce que là, le produit est là fixé pile. Donc, il y a une compétition, une concurrence sur le marché. Qui pratiquement fait consommateur satisfait. Bon, pendant Bahamas aussi, le marché est libre, mais les marges, par contre, les compagnies pétrolières sont contrôlées par l'État. Il n'y a que peut-être Cuba comme pays de proximité, qui est un cas particulier, où que tout produit, pas uniquement les produits pétroliers, sont sous coupe réglée. À un certain moment, il est qu'on importe de la Russie. Il y a une propre raffinerie par autour, il y a une raffinerie de la caille, il y a une vente à des prix qui sont contrôlés, aussi bien que les autres produits. Mais au moment où nous parlons, Cuba, pendant les 15 dernières années, toujours fait objet de pénurie, c'est bataille pour gagner gaz de tous côtés, parce qu'effectivement,
et modèle a commencé à chuter à travers le monde. Donc Cuba a obligé à considérer d'autres options. Donc moi je pense que et pour en ce qui a trait à ma présentation, m'a limité la à présentation ça que je fais là et peut-être que et je serai là pour répondre à des questions que j'anticipe et vont pleuvoir. Et merci. D'accord, merci beaucoup monsieur Rameau pour présentation détaillée ça. Nous allons accorder la parole à troisième panéliste nous qui c'est monsieur David Turnier avec qui nous parlons plus de structure prix. Marge acteur fait évolution et puis comparaison avec le côté dans le monde là tout pour nous voir qui je nous fait qui ça qui différent par rapport à ça l'autre côté fait. Bienvenue monsieur Turnier, nous comptons recevoir. Merci et madame Duyon et moi merci toutes et moi merci l'université Kiskeya de l'invitation ça en particulier recteur acte approché nous ça et on ka dit que m'a salué tout le monde k'ap tande. Pour m'aller très rapidement parce que me connais que gen des questions que t'a rien m'poser et on ti histoire sur Anadib. Anadib son association qui fondée depuis plus de 40 ans et nous regrouper et stations service. Et les nous dit stations service, nous dit toute station service que ce soit des membres actifs nous qui participent dans réunion nous ou bien l'autre qui peut être beaucoup membre actif, donc qui beaucoup cotisé, etc. Et mes devoirs, nous, c'est défendre l'intérêt et propriétaire, gestionnaire de station-service. Et je vais vous donner une petite anecdote sur pour qui ça a été fondé, une raison, yo, c'est que tu as une époque où tu as une stabilité sur le marché, et puis soudainement, le prix de gaz a monté. Et DGI débarqué dans la station. Pour faire dans station yo pour font ti inventaire pour di ah prix gaz la monté et mes nouveaux prix a donc nous besoin évaluer à partir de stock nous qui jan et pour ne pas faire des profits induits j'en yo remen dit là et peu de temps après prix gaz la vinn baissé et le nous rele DGI pour nous dit DGI l'elle té monté nous té vini pour ni l'elle descend nous vinn calculer perte nous et monsieur yo dit bah ça va concerner yo. Donc c'est à partir de moment ça que nous que association monté pour défendre intérêt distributeur. Et on parler nous un peu de business station service là avant m'arriver dans structure de prière. On station service c'est pas ça n'a pour connait. On station service c'est bon air de bagarre, c'est bon air côté mon a vinn battre mon a galon. C'est bon côté moun ka vini ben agresser pompis on station service son zone pratiquement ko ka vini même pour détendre nous des fois parce que gen des stations qui gen des lieux ko to ka vini pour bière ou ka manger un sandwich son espace d'apaisement ko to rentrer yo bon service nous pas là pour vendre gaz nous là pour nous bailler un service et ba la vini gâté durant ces dernières années. Côté long monde nous vient dans tête pour aller dans station service c'est quand qu'on en pèlerinage pour aller c'est quand qu'on presque mettre gant box ou parce qu'on pas connait ça qui arrive. Et bien en vérité c'est pas ça que business station service là et nous souhaiter sincèrement que correction faite que situation changer et que le revenu gens hier pour nous même nous ca continuer et servir client nous et démarcher client. Parce que nous, c'est démarcher client pour nous faire plus client, pour nous fidéliser client, et non pas pour nous gagner 200 000 mounons seul coup, qui vont envahir nous pour battre nous. Ce n'est pas ça que nous avons en station service. Donc, nous devons dire ça parce que quand il y a des gens qui oublient, ça crée une station service, on vit montrer la machine, on fait gaz, on paye et puis on aller. Et si pour montrer, comme nous, et partie par nous, c'est de parler de structure de prière, et son structure de prix que moi familier avec moi comprendre donc m'a expliqué nous lui même qu'a dit que prochain monde qui va parler sous panel là qui c'est monsieur Judalin Louis nous qu'a dit c'est lui même qui fait structure de prix même s'il pas signé que c'est ministre qui signe là avec ministre finance ministre commerce mais pas gagne monde qui con structure de prix parce que Judalin mais comme nous bon parler de lui m'a parlé de lui et puis et pour avancer structure de prière
et m'a regardé sur une dernière importation que j'ai en date du 28 octobre 2021, m'a pris pour gasoline pour nous pas obliger parce que j'ai trois différentes structures de prix, j'ai structure de prix gasoline, j'ai structure de prix pour diesel là et j'ai structure de prix pour kérosène là. Nous avons dit tout, il y a deux types de structures de prix. Il y a une structure de prix pour les distributeurs, ça veut dire les stations d'essence, et il y a une structure de prix non distributeurs qui c'est une structure de prix pour les industries. Donc, normalement, en temps normal, et si la structure de prix ça est respectée, les stations d'essence sont supposées acheter moins cher qu'une entreprise et qu'elle achète directement dans mes fournisseurs là. Si nous regardons la structure de prix actuelle, nous avons vu que le prix a déterminé. Le premier élément de la structure de prix, c'est le prix CIFLA. Le prix CIFLA, ça veut dire que c'est le prix plat plus le premium. Prix plat, son index. Plat, son index international qui est déterminé par le marché et international. Ça veut dire que prix plat, ça son bail qui change. Je ne vais pas dire chaque jour, mais au moins par saison. Il y a une saison au point de vue international et il y a plus de demande de produits pétroliers à différentes époques. Donc, au cas où bon moment prix a monté, bon moment prix a descendu. Et nous avons dit que pour le moment, prix a définitivement à la hausse et nous avons anticipé que le cas arrivait encore beaucoup plus haut. Là, nous avons regardé la structure de prix avec un taux moyen d'acquisition. Il y a deux facteurs qui influencent le prix gaz là que nous avons joué. C'est pratiquement prix place là et surtout c'est valeur dollar là par rapport à goud là. Donc taux dollar là extrêmement important parce que nous connaissons que Haïti pas produit pétrole, c'est commander. Donc tout ça le commander qui saute l'autre bord, faut et taux dollar important encore dans prix là. Ou bien prix CIF qui c'est place plus premium, premium là qui c'est cob qui représenté et marge de profit importateur plus assurance produit pour le transport et le coût du transport. C'est lui qui représente le premium non? Et c'est pour ça que il est extrêmement intéressant et bon que le gouvernement a commandé gaz ou bien comme gouvernement a une grande part de responsabilité dans le gaz par rapport à fixer le prix. Et que lui fait des appels d'offres pour déterminer qui premium, qui est avantageux pour lui. Parce que depuis qu'on bat qui n'est pas bon, c'est lui qui a payé. Actuellement, c'est lui qui paye les pots cassés. Nous gagnons à un taux moyen de 98,39 de taux dollar là. Nous avons pris prix plat plus premium, total value en douane de 260 gourdes. Ça veut dire depuis le gasoline entré dans le pays, avant que gagne quelle manipulation qui fait la donne. L'État acheté à 260 gourdes. Et si nous comprenons, et en partant, nous comprenons que l'Ivani a 201 gourdes. Donc, nous parlons depuis le prix d'achat, l'acheté à 260 gourdes. Tu as les frais de vérification qui élevés à 15 gourdes 62. Après, nous avons les droits de douane qui à 104 gourdes 13. Les frais portuaires, 1 gourde 13. Droits d'assises, 3 gourdes 30. Redevance carburant qui c'est pour le faire, le fonds d'entretien routier pour construire route, etc. Et réparer route, il y a 2 gourdes par gallon. Et un nouveau et droit qui est monté sous structure de prix qui c'est fonds des énergies renouvelables qui est également à 2 gourdes par gallon. Tout montant ça est évalué à 127 gourdes. 127 gourdes ça, et dans la structure de prix que nous avons là, ce sont c'est les taxes que l'État a supposé percevoir sous produit par rapport à la loi de mars 95 qui régit la matière. Et donc, nous avons un montant de 127 gourdes qui équivaut à tout droit et taxes que l'État a supposé percevoir. Donc, moi-même, c'est une structure de prix que le ministère des Finances partage avec nous, l'association. C'est montant ça que nous gagnons qui vient bon produit ex douane et à 388 gourdes. À 388 gourdes ça qu'on va ajouter opérateur dans marché. Opérateur sur marché là une compagnie comme monsieur Rameau parler de yo, monsieur Rameau c'est président association qui regroupe
compagnie sa yo, chaque compagnie qui nan structure qui nan et structure la dans chaîne de valeur là, on parle de national Dinasa et national Dinasa DNC Capital et puis Bandari qui représente total, chaque compagnie ça fait 20 gourdes sur chaque gallon de gasoline qui passait dans station payo que yo même que yo distribué à station payo. Et ou gon rubrique nan ou gon rubrique tout qui rele transport province et y aurait le transport province du fait que dans le but on ka plus dit que par le passé dans le but pour yo harmoniser prix à Port-au-Prince et prix à dans tout pays a y était ajouté un cob en plus sous structure de prix qui te permettre que qui te permettre amortir coût et transport en province pour qu'il y ait même prix sur toute l'étendue du territoire national. Mais qu'on y en là, bon, moi, je relève le transport en province toujours, mais en fin de compte, c'est le prix du transport. Ils mettaient la 9 gouttes par gallon. Et il y a aussi le stockage. Monsieur Jean Jumon a parlé des terminaux. Lorsque le bateau a entré, il déversait dans le terminal, avant que le charger dans le camion, avant de arriver dans la station service, ou bien prix stockage là qui 5 gouttes par gallon. Maintenant, on vient arriver dans marge au niveau de distributeur qui c'est nous-mêmes au niveau de station service sur un gallon gasoline, marge distributeur là équivalent à 30 gouttes par gallon. Donc les vins bon on sous total de 452 gouttes 53 et on vient bien on assise variable qui c'est 15e rubrique là. On l'autre taxe encore qui est à 6 gouttes 80 et maintenant pour maintenir le prix à la pompe, l'État inclut un 16e composante qui est les marges de stabilisation. Marge de stabilisation, ça équivaut à 258 gouttes 33. Ce qui veut dire quoi? C'est que pour gaz à carbone, 201 gouttes à la pompe, l'État manque à gagner en taxes et en subvention directe, limité 258 gouttes pour réduire quoi et pour permettre que gaz d'avance 201 gouttes à la pompe. Donc 258 gouttes, c'est ça que les subventions que nous avons séparé en subventions directes et indirectes. Parce que indirect là, pour moi, c'est manque à gagner, c'est taxe que le pas chargé. Et direct là, c'est presque 130 gouttes que le mettez lui-même pour et kembe prix dans sa lia. Si nous avons fait une comparaison rapide, pour me pas qu'il ben trop longtemps pour me permettre l'autre intervenant en parler et sur la République dominicaine qui c'est mon voisin immédiat nous et j'aime dire dans ça qui est important dans chaîne là c'est taux dollar là et le dollar en République dominicaine est à 56.71 pesos comparé à nous même qui a 98.39 points dollars américains et malgré ça et si on met en goud, prix gaz à livrer en République dominicaine à 232 goud, comparé à 260 goud livrés en Haïti. Bon, peut-être que ça a demandé une investigation, peut-être que il y a l'autre monde sous panel là qui a répondu. Peut-être aussi que le volume dominicain est tellement beaucoup plus élevé que par nous, ils ont bénéficié d'un meilleur prix. Et peut-être aussi qu'ils ont des contrats à long terme. Et contrats à long terme, ça va permettre que yo importé en gaz meilleur marché que nous. Selon dernière information par yo en République dominicaine, good pour good, gaz l'arrivé à 232 goud en République dominicaine et l'arrivé en Haïti à 260 goud. Donc et moun ki ka éclairci sou sa yo a éclairci sou sa, y a bonne raison. Au point de vue taxe et nous même loi 95 là permet nous récupérer jusqu'à 133 gouttes de taxes sur un gallon de gasoline. République dominicaine, taxation par là à 148 gouttes pour gallon gaz là. Et au point de vue marge, les différentes marges des intervenants dans le secteur, et les compagnies ici en Haïti font 20 gouttes, ils font 20 gouttes par gallon gaz. En République dominicaine, compagnie similaire là fait 25 gouttes par gallon gaz. Et le transport en République dominicaine est à 9,85 gouttes, ici, il y a 9 gouttes.
et m'a gagné stockage là, malheureusement. Marge distributeur yo, en République Dominicaine, n'a pas les stations service yo. Marge yo à 39 gourdes. Sous gazoline, nan, nous-mêmes, et en Haïti, nous à 30 gourdes et sous produit ça. Donc, m'a quitté intervenant, prochain intervenant en parler, et puis, m'a répondu à une question et le moment arrivé. Merci. Merci, merci, M. Turnier. Nous allons passer la parole à quatrième panéliste, M. Jude Jean-Louis. Libral, qui est directeur inspection fiscale, et M. Tude était parlé de l'une présentation par là. Avec lui-même, nous parlons de questions subvention, sous produits pétroliers, conséquences que ça gagne pour trésor, efficacité, et puis équité qui gagne en question subvention, et puis tout impact macroéconomique. Merci, M. Judalin, lui, ou gagne la parole. Alors, merci, Madame Douillon. Je dis merci à Rectoria parce qu'il était pensé à inviter moi en tant que directeur de l'inspection fiscale pour venir faire Tichita parler à côté de l'autre panéliste, un ensemble de monde qui vraiment maîtrisait ce qui a passé dans le secteur. Donc, rapidement, comme Mme Douyondil, je vais parler de l'implication économique et sociale de subventions produits pétroliers. Monsieur Jean Jumeau t'a rapidement présenté quantité importation, quantité en fait consommation produits pétroliers. Moi-même rapidement, moi parle juste parler un peu de évolution hein, et structure consommation hein, qui est extrêmement important pour nous. Nous pourrons plus ou moins préciser pour le public là, nous parler de subventions pour du pétrolier, qui ça qui gagne dedans en termes de composantes, et puis nous pourrons présenter coût global subvention. Monsieur Tunier a essayé de comparer les prix en Haïti par rapport en fait à la République dominicaine et dans d'autres pays, donc nous pas mettre accent sur ça. Nous pourrons rapidement passer à impact macroéconomique et impact sociaux de subventions produits pétroliers. On nous dit que, compte tenu de fragilité économique haïtienne par rapport à certains chocs, disons chocs économiques, l'État parfois, le prix a augmenté sur le marché international là, pour limiter les dégâts, pour limiter, pour protéger, disons, les plus vulnérables. L'icône choisie, je l'ai pris à la pompe. Mais malheureusement, par manque d'instruments, nous pas en mesure pour nous faire un ciblage direct qui fait que l'effet attendu de subvention n'est pas. Et fait pas toujours au rendez-vous. Rapidement, on regarde la consommation de produits pétroliers. Monsieur Jumeau a précisé les quantités, mais il faut dire que la consommation n'a pas évolué de manière significative. Bon, pour plusieurs raisons, parce que nous avons une économie qui a une croissance molle ou bien une croissance en fait négative. Donc, consommation produits pétroliers yo très faible, seulement 3,4% l'an sur les 10 dernières années. Donc, ça montre que en termes d'évolution de la consommation, on n'a pas vraiment enregistré une augmentation. Par contre, là, nous avons des structures consommation, gagné des changements qui sont assez importants. Donc, pour l'année 2011, gasoline a été représenté 22% de consommation totale et gazole a été représenté 66%. Jodi, en 2021, gasoline a représenté 41%. Donc, il est passé de 22% à 41% de la consommation globale. Par contre, gazole est passé de 66% à 52%. Donc, ça a montré qu'en termes de proportion,
gagné une augmentation dans la consommation de gasoline en Haïti. Et nous prenons le qui ça, ça fait impliquer puis devant. Fiscalité gasoline li beaucoup plus lourde que fiscalité gazoline avec kérosène. Ça qui fait que manque à gagner, perte de recettes que l'État supporté sous gasoline li beaucoup plus élevé que perte de recettes que les supporter sous gazole avec kérosène. Il faut vous dire, lorsque nous parlons de subvention pour du pétrolier, il y a deux composantes là-dedans. Il y a une subvention fiscale qui c'est perte de recettes, qui c'est manque à gagner pour mon en fait qui dans circuit. Et de l'autre côté, il y a subvention budgétaire. Subvention budgétaire là, nous relé encore financement, c'est l'argent l'État retiré dans trésor public pour permettre priorité échanger. Donc, le nous parler de subvention globale, il faut nous mettre deux composantes, la composante fiscale et la composante budgétaire. Donc, nous dit que l'État a perdu beaucoup plus en termes de perte de recettes sous gasoline que sous gazoil avec kérosène, parce que fiscalité gasoline est plus lourde, fiscalité gazoil avec kérosène est plus légère. Maintenant, coût subvention. De 2011 à 2021, l'État supportait 149 milliards de gourdes de subvention de produits pétroliers. Donc, dans 149 milliards de gourdes, ça, soit 73% constitué manque à gagner perte de recettes là, OK? Ou bien subvention fiscale là, et 27% c'est subvention budgétaire là, ça veut dire que quantité cob l'État retiré directement notre trésor pour qu'un prix à la pompe inchangé. Pour seulement l'exercice 2020-2021, l'État a perdu globalement 30 milliards de gourdes. Et dans 30 milliards de gourdes, ça, 61% c'est perte de recettes, subvention fiscale, et 39% c'est financement, c'est subvention budgétaire. Monsieur Tunier a essayé de faire une comparaison par rapport en fait les prix en Haïti et les prix en fait en République dominicaine. Je dis à prix en République dominicaine dans les deux fois supérieur et même plus à prix qui pratiqué en Haïti. Par exemple, sous semaine 20 au 26 novembre, donc les données sont actuelles. Et si nous prenons goud, nous mettons prix qui en République dominicaine en goud. Gasoline à 2448 goud aux environs en République dominicaine et la caïnou la 201 goud. Gasoil à 2348 goud de l'autre côté et la caïnou la 2169 goud. Kérosène à 2366 goud aux environs la caïnou et la caïnou la 2163 goud. Donc nous avons une idée de ampleur subvention pour l'État. Maintenant, en termes d'impact, jodia, nous sommes un pays côté nous avons une pression fiscale qui est plus faible. Et journée jodia, subvention des carburants li représente 31% aux environs des recettes collectées. Là, je parle pour 2020-2021. Subvention carburant représente 31% des recettes collectées. Ça dit nous qui ça? Ça dit nous, l'État a abandonné une bonne partie de la recette pour être capable de faire des prix à la pompe inchangé. Maintenant, qui impact que ça a gagné sur le cadre macroéconomique? Le niveau du déficit budgétaire, financement monétaire, déficit courant, balance des paiements, dépréciation de la monnaie, yo grandement expliqué par subvention prise à la pompe. Et pour information, pour 2020-2021, subvention à 30 milliards de goudes, déficit budgétaire à 27 milliards.
Donc ça veut dire que si pas de gagner subvention des carburants, si toute bagarre était échangée, gens économistes sur qu'on dit à qui était sur Paris Bourse, je dis à nous pas de gagner déficit budgétaire. Journée jodia, nous avons un financement BRH de 49 milliards de gourdes. Si pas gagner subvention des prix à la pompe, dans les mêmes conditions, nous avons un financement BRH qui est assez modéré, qui est assez soutenable. Donc, c'est encore pour vous dire comment la subvention pétrolière pèse sur les finances publiques. Maintenant, qui est l'impact social que ça a gagné? Nous dit que subvention pétrolière là, li empêcher l'État faire une série de dépenses que nous jugeons prioritaires pour la population. Par exemple, niveau subvention 2020-2021 qui c'est 30 milliards de gourdes là, li représente 4 fois dépenses budgétaires pour le ministère de la Santé publique et de la population. Comprenez bien l'information. Il représente plus de 5 fois dépenses qui fait pour le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Et il plus que dépenses que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui est programmé pour exercice. Donc, ça veut dire que subvention produit pétrolier, li empêche l'État jouer un cob pour investir dans la santé, dans l'agriculture, dans l'éducation, qui sont des dépenses qui sont extrêmement importantes si l'État voulait promouvoir l'équité sociale. Donc, mais qui sa subvention li représente pour l'État, je dis, subvention mette l'État dans une situation qui est extrêmement difficile. Côté li pa gagner espace, nous avons l'espace budgétaire là nous qui pour permettre li adresser certains besoins extrêmement importants pour la population. Pour nous conclure, n'a dit que subvention produits pétroliers li vraiment détériorer le cadre macroéconomique. Nous avons li gagne impact sur le déficit budgétaire, li gagne impact sur le déficit courant de la balance des paiements. Pourquoi? Parce que subvention incite les ménages à consommer davantage parce que ils n'ont pas acheté produits à prix bioté acheté. Et li porte producteurs à sous-estimer coût de production autour. Et peut-être li limiter yo dans arbitrage que tu as supposé faire pour yo garder des sources alternatives d'énergie. Pour les gens qui font une économie, qui font une microéconomie, nous constatons le surplus de consommation. Donc, où jeune prix produit à un niveau qui est plus faible, donc, on a tendance à consommer davantage, qui fait que on est capable de créer la un comportement irrationnel. Subvention n'a pas d'effet escompté sur les prix des produits finis et sur les conditions de vie des plus vulnérables. Nous voyons que l'État a pas gagné l'argent pour l'investir dans un ensemble de dépenses qui est important pour améliorer le bien-être de la population. Li contribuer à augmenter la disparité sociale. Parce que subvention produits pétroliers, puisque l'État a manqué d'instruments pour les cibler vraiment les plus vulnérables, c'est toute population qui bénéficie de subvention. Qu'on a une capacité pour acheter produit cher, qu'on a une capacité pour acheter, eh bien, on bénéficie de subvention. Maintenant, on question nous te poser tête non, qui est-ce qui consomme beaucoup plus produits pétroliers? Eh bien, monde qui consomme beaucoup plus de produits pétroliers, il a tendance à bénéficier davantage de subvention. Qui fait que politique ça nous sommes capables de dire que c'est inefficace, c'est inefficient pour l'État. Je pense que plus ou moins nous épuiser le sujet. Maintenant, si vous avez des questions, et je pense que nous n'avons qu'à essayer de faire des éléments de solution. Merci, Madame Douillon.
Merci, monsieur Alain, monsieur Jude Alain Louis. Nous parlons un peu le temps pour nous arriver dans la fin du webinaire là. Donc, je vais quitter les questions que je vais vous pour me permettre que les gens qui t'ont suivi, qui ont des questions, qui sont dans le chat là pour questions par vous, qui ont des priorités. Et je vais poser des questions les gens qui veulent répondre, parmi les panélistes qui veulent répondre. Je vais demander notre temps pour qu'il y ait des réponses sur coûte pour nous capables de couvrir. Il y a plus que 4 questions. Première question, mon grand monde qui m'a dit, l'État me connaît, même si pas de Petro-Caribé encore, qui a empêché de faire un approvisionnement qui sorti dans le pays Venezuela. Et puis tout le monde s'est dit, Haïti gen, un peu le monde toujours dit, Haïti gen réserve pétrole. Si c'est vrai, qui ça yon raffinerie exige qui fait actel local, yo, que ce soit l'État ou sinon privé, pas penser mettre une raffinerie en Haïti. Deux questions posées. Pour qui ça n'a pas acheté gaz dans le Venezuela, même si Petro-Caribe n'est pas là encore. Et pour qui ça n'a pas une raffinerie, qui ça s'est demandé, qui fait que pas un investissement pour une raffinerie dans le pays. Par contre, qui est-ce qui voulait répondre? Je pense, Mme Doyon, que je suis le mieux placé pour répondre à la question. Ça. D'accord. Je vais commencer par le dernier volet de questions. Pour qui ça que Haïti pas peut-être considéré et monter en raffinerie. Et peut-être que je vais rappeler, si je vais mentionner l'approche que je fais, d'après l'introduction. Au moment où nous parlons, la tendance sur le marché pétrolier est d'éliminer les petites raffineries. Et toutes les raffineries que nous avons dans la zone Caraïbes, là, elles sont pratiquement désuètes. Ils n'ont pas produit volume et ils ont demandé un pile investissement pour rebailler la vie. C'est ça qui fait qu'on y a que, de manière internationale, il y a construit de plus grandes raffineries dans des pays qui ont de fortes réserves de pétrole, parce qu'ils ont réalisé que tout ces pays qui ont des raffineries qui datent de 30 ans, de 40 ans, c'est fermé après les coûts, parce que le coût de réparation, le coût pour upgrade l'installation est extrêmement exorbitant et que il n'a pas montré que la rentable si on réparait. Et c'est exactement le cas du Venezuela. Installation Venezuela est pratiquement désuète net. Venezuela pas qu'à produire et littéralement pas qu'à produire que parfois l'obliger importer produit à tout pour vendre. Donc et la tendance aujourd'hui n'est pas à l'érection de petites raffineries mais plutôt à transposer les raffineries et surtout des grandes raffineries au niveau des grands producteurs de produits pétroliers tels que l'Arabie Saoudite, etc. Mais à faire de Caraïbes, la première, et pas de monde qui est intéressé là-dedans encore, si volume est petit, d'ailleurs, même monde qui est dans la raffinerie, dans Caraïbes, là, il est obligé à importer produits à tout. Maintenant, pour parler de réserves, et je vais faire recherche sur réserves, effectivement, mais s'il y a des réserves, et même s'il y a des réserves, il faut être réellement important pour être considéré monter des raffineries parce que pour raffiner qu'on y a, c'est une bagarre qui est extrêmement exorbitant. D'accord, d'accord, merci. Il y a une question qui est très intéressante que M. Jean Jumeau répond dans Q&A. C'est déjà, mais moi, poser, commencer à répondre dans Q&A, mais m'a posé le. OK. Comme les réponses n'y pas paraître encore. Donc, je vais passer à une autre question qui vient dans le chat. Il y a un monde qui m'a dit M. Turnier et peut-être M. Lui, est-ce que nous sommes capables de partager un document qui a une structure de prix hein? Parce que lui a aimé plus de détails sur lui. Ensuite, l'autre question que moi, ouais, là, c'est. Taux de change là, qui est-ce qui supporte le risque taux de change là,
comment subvention décaissé, mais en pile ça tu étant abordé déjà. Il y a une autre question qui gagne, qui ça qui empêche marché produits pétroliers en retourner dans façon de avant les te gagne Esso, Shell, Texaco et côté que ces compagnies qui t'ai commandé et puis fait appel d'offres. Bah on est si bon monde qui voulait répondre question ça et puis peut-être nous allons tout répondre, nous allons poser un deuxième, nous allons tout avancer plus vite. Est-ce que il y a un projet pour augmenter la capacité de stockage pays et ou bien pour attirer l'autre compagnie dans la région? Est-ce que il y a une volonté à la question ça? Bon, encore une fois, je réalise que la question ça concerne directement. Est-ce que il y a un projet pour augmenter la capacité de stockage pays? Et parce que pendant que n'a pas là, il y a des projets qui en cours pour augmenter la capacité de stockage pays, surtout en gasoline. Parce que pour pays, il n'y a pas vraiment un problème de stockage pour diesel. Donc, il y a suffisamment de stockage pour diesel. Mais par contre, le stockage gasoline, il manque. Et maintenant, une question que je veux associer à ça, c'est que pour qui ça que on va gagner des réserves stratégiques? Et en général, pas un pays qui crée des réserves stratégiques qui dépassent 3 jours, 4 jours, 5 jours, maximum 8 jours. C'est parce que justement, son produit qui est tellement volatile en termes de prix, pas grand monde qui peut permettre de stocker 200 millions de gallons, 240 millions de gallons, et puis demain matin, qu'il était acheté là à 1 dollar, puis il a tombé à 50 centimes. On était acheté là à 4 dollars, il tombe à 3 dollars. Donc, les risques sont trop élevés pour que vous constituiez des réserves stratégiques importantes. Par contre, ce qui sera intéressant peut-être, c'est pour faire des réflexions sur la nécessité d'avoir des stockages, des points de stockage dans différentes régions du pays, parce que l'expérience d'aujourd'hui révèle que toute concentration produit au fait à Port-au-Prince, et lorsqu'il s'agit d'acheminer des produits, que ce soit vers le sud ou bien vers le nord, sont très chargés parce que effectivement la zone au Cap, la zone nord pays a pas de point de stockage, et également dans la zone sud pays a pas gagné également zone de stockage. Donc, c'est que je réponds à la deuxième partie de la question. C'est la première partie qui échappe pendant que je vous parle. Je suis capable de répéter le point encore, je suis bien content. La première partie de la question. Oui, je dis que je suis passé dans l'autre question qui était en bas. Donc, c'est difficile pour me retourner sur la première partie de la question. Mais il y a plus d'autres questions qui posaient. Donc, je vais avancer avec Yon qui répond dans le Q&A. Les prix au détail étant fixés par l'État, pourquoi ces prix ne suivent-ils pas la vérité du marché? Et pourquoi la loi de 95 n'est pas appliquée? Monsieur René Jean Jumeau, vous avez répondu en Q&A, par contre, vous voulez répondre en live. Oui, alors, réponse au débat là, c'est que et sur le papier, le principe a existé. Donc, ça veut dire que ce n'est pas qu'on est, pas qu'on est, pour nous avoir intérêt à suivre le vrai prix, dans le prix d'acheter, dans le prix de vente là. Mais il y a deux raisons principales, je suis très honnête avec nous, qui fait que et ça n'a pas fait. Première raison, c'est que différents dirigeants voient que leur montée prix gasoline, son bagage est très visible, montée prix et carburant en général, gasoline, diesel, kérosène, son bagage est très visible, son acte qui est très visible, qui montrait que mon produit, que l'État y a un contrôle stratégique et l'État a décidé d'augmenter le prix. Donc, il a évité faire pour des raisons politiques parce qu'il n'est pas bien vu de la population. Alors que la population n'a pas ouais, des avantages que ça crée pour lui sur le, en fait, presque le, immédiatement, mais sur un dit moyen et long terme. C'est comme si on a dit un petit monde qui dit. Si on bal un bel jouet jodi a la et puis parents dit non si me kembe et comme ça m'a voler l'école ou jeune plus à travers ça et ti moun n'est pas content donc ça c'est
C'est juste pour simplifier. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas contents d'exemple, mais c'est juste pour simplifier que il y a des fois décision que l'État a besoin de prendre, qui paraît désagréable dans un moment immédiat, mais qui a intérêt à la population plus devant. Donc, première raison, c'est ça. Dirigeants ou pavlé et paraît désagréable immédiatement. Deuxième raison, c'est le nous arrivons dans une période de crise, depuis qu'une tension sociale, monter prix carburant, c'est un symbole qui fait tension sociale augmenter. Ce n'est pas vraiment un problème majeur, parce que si nous énumérons les problèmes que nous constatons, nous avons un autre problème qui est supposé être une priorité. Là, nous prenons en période COVID pour une question de santé, c'est de supposer une priorité. Et plutôt que comme subvention ça, l'État allé vers santé, ou bien comme subvention ça, l'État allé vers agriculture. Il y a des gens qui disent que si le prix carburant monte, le prix transport va monter et le prix manger va monter, c'est un raisonnement qui fait sens, mais n'oubliez que même comme ça, tu es allé directement dans la subvention de l'agriculture là. Même j'en pile gros pays fait li, et puis coût manger a vin beaucoup moins cher leur subventionner directement l'agriculture là, si c'est ça que vous voulez garder comme mesure. Donc en bref, un première raison c'est les dirigeants au niveau politique pas voulez que public là, que population percevoir mal, et deux, en période de crise, et dirigeants encore pas vle manifestation, tension sociale, etc. Donc, c'est deux raisons ça qui fait ça, mais nécessité a, là, c'est toute présentation là, montrer que nécessité pour utiliser comme ça, c'est pas une simple question de éliminer subvention, c'est plutôt une question positive de, ok, nous avons montant comme que nous t'es là, qui 31% de toutes les recettes qui entrent récemment, que l'État entre, ils servent à subvention. Et si comme ça, tu servi à un autre bagage, à supporter la police là, pour plus de sécurité, la police et l'armée, supporter le système santé là, pour que le monde ne soit pas obligé de traverser le phénomène pour le traiter. Supporter l'agriculture là, pour que pour manger capable de descendre directement, pas par l'intermédiaire du transport, mais directement. Donc, c'est juste les réponses à la question. Ça. Merci. L'heure arrivé pour nous mettre fin à webinaire là. Je remercie tout le monde pour l'intérêt, pour toutes les questions qui posent. Donc, nous avons une dernière question que nous avons posée pour nous capables de conclure. Je vais demander à chaque panéliste capable de réagir sur lui. Nous constatons justement que la crise qui touche les produits pétroliers dans le pays, hein, les récurrents, qui est-ce que nous condamnons justement pour nous faire pour ce cycle continuer pour de temps en temps des problèmes ça, est-ce que solution là, cette solution là qui s'allie, qui ça qui possible, on a conclu sur notre ça. Donc c'est nous libre pour nous tout ajouter un point que nous pouvons ajouter dans très peu de temps parce que nous pas été un pile de temps. Mais par contre, qu'est-ce qui a commencé avant? Eh bien, qui a commencé, mais oui, qui a commencé, alors, on se dit, et question que nous pas traité, il y a une question que nous pas traité, c'est toute devise que nous besoin pour acheter produits pétroliers. Eh bien, l'homme fait calcul, on croit que en 2018, c'était presque 950 millions de dollars en année. Hein? En 2019, c'était pratiquement 1 milliard et 15 000, donc 1 milliard et 15 millions en année, hein? pour un an. Et l'équivalent plus de 80% de tout ça nous entrer dans l'exportation dans notre pays. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que normalement, c'est avec exportation qu'on rentre devise, ou c'est via devisa pour acheter tout son besoin. Eh bien, 80% de COB, de montant d'exportation, nous, l'utiliser dans acheter produits pétroliers. Donc, c'est un montant qui est énorme. Qu'il y a l'heure que nous
appliqué côté plus de moitié de COB ça et aller directement en subvention, c'est un gros manque à gagner. Donc, je voulais juste faire valoir point ça. D'accord. Merci, M. Jean Jumeau. M. Jude Alain, lui, est-ce que vous voulez faire un ajout? Bon, compte tenu de l'état de la situation actuelle, nous pensons que différents acteurs ont d'avis que cette subvention n'est pas soutenable. Donc, nous, par exemple, par rapport à prix Bolakayenou qui est plus faible, parfois, en fait, nous sommes en train d'alimenter l'économie, en fait, dominicaine. Donc, quelque part, il faudrait un changement au niveau des prix à la pompe. Même si nous connaissons tout effet que ça est capable de gagner, mais nous pensons qu'il faut nous aller là parce que le secteur, certes, le secteur a mal fonctionné et chaque acteur, disons, n'a pas de responsabilité et il a intérêt tout acteur pour le secteur à râler en souffle. Et même consommateur a toujours et jour dit, qui a difficulté pour joindre produit à vu rareté qui gagne. Donc, nous pensons que l'étant pour vraiment secteur à mieux fonctionner dans l'intérêt de tout acteur et un meilleur fonctionnement secteur à passer, qu'on le veut ou non, par un relèvement des prix à la pompe. Merci. Merci. Monsieur Thionnier, est-ce qu'on a un jour, genre, ou est solution, hein? Mot de la fin? Et oui, bon, finalement, merci pour l'invitation. Qui ça m'a dit, c'est que définitivement, et situation essence en Haïti, c'est reflet de non-fonctionnement pays. Bon, c'est que lorsque il y a une décision pour prendre, et toute décision a une conséquence, mais et toute décision, il faut bien réfléchir, bien mûrir, et puis plus qu'à prendre. Actuellement, au niveau de station gaz, et de par le pas, il y a des 3 ou 4 derniers mois, nous fonctionnons à peine 5 à 10 jours par mois, maximum, et que ce n'est pas une façon de fonctionner. Nous avons employés sous compte, nous avons et clientèle nous pour nous desservir. Et définitivement, la situation n'est pas carrée comme ça. Et je pense que l'ICA retourne à la normale, l'ICA prend un petit temps, mais l'ICA retourne à la normale, il faut laisser le marché aux professionnels. Et professionnels, ils ont le métier, ils ont ça pour faire pour satisfaire et demande marché, demande client par eux, parce que pas oublier importateur, chaque monde a un réseau par eux. Bandari gen réseau, Dinasa gen réseau, et Go gen réseau, DNC Capital gen réseau yo, yo konn sa réseau a besoin, yo konn sa consommateur final a besoin, laisser le travail aux professionnels et que l'État fait rôle régulateur côté li contrôler et prix d'achat à travers Platts qui c'est indice un indice international que tout le monde ka suivre et li fait appel d'offre là comme prévu sur premium dans ça veut dire sous marge profit importateur avec coût assurance en plus fret là de façon que produit a toujours disponible pour consommateur. Donc nous pensons que c'est laisser les professionnels faire leur travail. D'accord, merci monsieur Thionnier, monsieur Randolph Rameau, mot de la fin. Non, bon, je vous dis merci encore. Je vous remercie et qu'est-ce qu'il y a d'avoir pris cette initiative. C'est que ça tombait à point. Il a fallu qu'on ait des réflexions sur le secteur pétrolier. Et moi, je pensais que David Thionnier et M. Jean Jumeau, aussi bien que je ne me rappelle pas le nom, en fait, et on fait des interventions de l'affaire judicieuse. Et laisser aux professionnels. Jude Alain Louis. Merci.
quelqu'un à qui je parle tous les jours d'ailleurs, le nom m'échappe. Et je pense qu'ils ont tout dit, mais moi je voulais mettre l'accent sur le fait que tous les signes macroéconomiques indiquent que la tendance des prix est à la hausse et sera à la hausse pendant la prochaine année. Donc, nous ne pouvons pas souhaiter que il y ait des crises récurrentes dans le pays à côté que Mouna Bata à la station pour gaz. Bon, c'est que il y a des décisions qui doivent être prises parfois. Elles sont très populaires, ça m'a dit, elles vont prendre mon plaisir. Mais je pense que si nous voulons gagner gaz, si gagner gaz dans le pays pour que la situation tourne à la normale, il y a des décisions pour ça. Et dans ce sens que je peux avancer seulement, parce que moi, on voit que si le prix de gaz continue à augmenter sur le marché international là, et que l'État continue à fourvoyer là, des subventions qui ont grimper, ben c'est que on continue à vider de l'eau, on n'a pas rien sans fond. Donc, encore une fois, j'invite les autorités à prendre des décisions judicieuses, qui parfois peuvent être impopulaires, mais je pense que c'est la décision de l'État. Encore une fois, merci à Kiskeya et à tous ceux qui ont pris part à ce webinaire et que j'estime a été très productif. Merci. Merci beaucoup. Merci à Panélicio. Merci à l'Université Kiskeya qui t'a porté webinaire. Merci à nous tous qui t'a suivi, qui t'a posé question. Moi, je souhaite que nous continuions à approfondir le sujet. Par contre, j'en ai capable de plus d'informations sur la page Kiskeya pour les questions qui ne peuvent pas répondre. Peut-être que y a un intervenant qui peut répondre sous live. Merci un pile. C'était un plaisir pour nous de modérer le panel.